Bon début de semaine à tous. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de Patriotes. Bonjour à Ndabiso partout dans le monde. Bonjour et belé à Kolandabiso. Mbotenabino. Bon, yebi que l'actualité est qui domine ma kasi mingi penza. Nalikambo et Talibongo. Moi, bakambo et belé. Surtout, ben insulte. Oye, ça qui donne la place publique. Oye, ça qui oye choka qui ma kasi sur la femme congolaise, sur la femme violée. Et tout le belé, on a 4 émissions d'Ndabiso à l'élo. Quelques sujets d'actualité. Oyo. Et l'obami na fin de week-end pe na tongo et lelo et kozala pe ba objet ou ekosa la débat na po na Congo ya moko na lelo. Alors po na yango tozana deux invités de marque na bango to sur la question nyonso d'actualité que répondre. Nakamulikabotali bongo liberté d'expression toyoka ki denge président de la cour de cassation asenga ki ba revoir à la hausse peine o ezolo bela bongo ba infraction o ezali bongo offense au chef de l'État et incitation à la haine. Est-ce que c'est important que l'obelango siko? Est-ce que liberté d'expression ezali bongo ko freiner développement na mboka na biso? À quel niveau est-ce que qu'on réduit en haut et comme ma résultat topé comme ma cambria ma b tout ça dit bongo n'a deux invités de marque yali bosso ndeko brino mimbenga azali bongo ya nouvelle et là on a aussi déjà à rejoindre un gars à plateau n'a été reçu la n'a pas question n'y en sont d'actualité moi n'a mbo kambo tenayo merci bonjour maman Naomi mbo tenaba Lundi, nous sommes à Tongo Alilo. Merci pour l'invitation à la chaîne Nabino Congobèse. Pour la première fois, il y a un espace qui est et puis, toutes ces félicitations à DG Christian de Bosembe. Et puis, je crois que le la Congo parce que le Kouta est commis dans le Bokanabiso. Makas, il y a l'autre qui a la vérité. Parce que tout ça, il y a un peu mais Lelo n'a pas. Un plateau nabino, je crois, tout le temps, il s'agit de parce que les Congolais ont besoin de la vérité. Ce qui te dit, c'est que les a décidé de vivre dans le Kouta. Donc, comme sa politique, il y a massage, il y a un peu de pengé, il y a la télévision, ça. Parce que la politique, tout ça, c'est la politique, il y a un peu de bêtise. Bien, vous avez la vérité. Oui, vérité, c'est à côté. Vérité, tant que vous êtes à l'opposition, vous avez déjà besoin de pousser à pouvoir, vérité, c'est à non, maman Naomi. Est-ce que côté opposition, cela veut dire quoi? Monsieur te dit que opposition, nous sommes au sein de la Mouka et puis tout ça n'a qu'à être opposition. Ça, on a qu'à la Mouka, c'est la Mouka, ça débloque. Opposition, exactement que ceux qui bolèki na télévision, bofinga ka Félix, bol baba n'importe quoi qu'on sort. Na bangona biso banani bati que opposition. Bah on démontre bati que opposition, bah kenda ki na na kinga kati kozwa mosolo plus de 500 000 $ boebi makamwana. Alors, le vraiment, il faut que je ne me dise pas jamais que je ne me dise pas parce que la politique, a M. Martin Fayou, les politiques, Tony Samina, Massange, les politiques, il y a Moutemali Koundou, Moutemali Moindou, il y a Mouzo Mounabani Koma Engele, Nabai Pengé, moi, vraiment, santé, il y a les autres à la tête parce que. Moi, ma campagne, elle m'a bloqué, j'ai comme elle m'a vous abandonné quoi, parce que bon, mon acquis bah, ils ont sous pouvoir, t'es commis bande quoi la mouka non, bande quoi décider, il faut que le barra bien la mouka est esprit, la mouka est état d'esprit, peuple, bah non, décider, oui, donc décider, bah ça, la politique, il y a le côté à massange, comme on a un chef, on a bango, donc on peut dire aujourd'hui que divorce, c'est ça, complètement, divorce, c'est ça, mais divergence des alliés, parce que ce que tu as dit, politique, il y a monsieur Martin Fayoulou. Ils ont politique qui m'a bé. Depuis Babana la dynamique de l'opposition, il a dit soc, mais si gagnons son Martin Fayoulou à l'égard, il faut bébé ça. Au moins, lobby à lobby, on a Kabila Moutoumabe, Kabila Ibi pouvoir Nangaï, et Félix est pâté, mais le lo au boué, à lobby Félix est Kabana Kabila. Yewana. Est-ce qu'au bloc patriotique, les alliés que la mouka est en FCC? Bon, bloc ce concept na ngo eza yango wana. Bon, bloc patriotique eza nango juste moni bande ko wana décidé na baki politique a décidé za politique à l'écouter à massange. Bloc patriotique eza ki une façon Fayoulou akende koluka koluka santé politique parce que ça na perte de vitesse ndo mona ki akende ko consulter bande ko ya FCC ya PPRD
sans pour autant qu'on y a un partenaire au bazar dans la Katia Bitumba. Au moment où maman a mis, il y a un autant de gens qui ont dit que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Donc, je suis décidé de faire une lutte. Il y a l'amour, il y a une lutte, il y a résistance. Réfléchissons un peu. Aller en guerre contre Essidé, nouvel élan contre Essidé, et qu'on gagne Bino Nini. Est-ce que Europe ça quand même avantage dans le pouvoir? Non, Europe ça avantage dans le pouvoir parce que Bandekouana a une salie réputation. Il y a moins d'amour Adolphe Mozito. Aujourd'hui, sur le plan politique, entre Martin Fayulu Mozito, Martin ne représente absolument rien à Congo. Mozito fut premier ministre de son état dans Mboka. C'est le plan popularité, Lelo. Non, popularité. Est-ce que tout ça a besoin de popularité? Tout ça a besoin de ton Mboka. Tout ça a besoin de résoudre le problème. Il y a insécurité alimentaire. Tout ça a besoin de résoudre le problème. Il y a insécurité à Est Mboka. Tout ça a problème. Tout ton Mbanzela. Tout ça a problème. Il ne faut pas foutre à fonctionner. C'est ça le problème. C'est moi. Papa est dit que c'est déjà populaire. Jean-Pierre Bemba, c'est populaire. Popularité, ne sert pas à peuple. Ceux qui font leur commis populaire, c'est grâce à Mozito. Parce que tout en a grâce aussi à d'autres leaders. Il y a moi dans le lobby, Moïse Katumbi, le président Kamere. Mais c'est plutôt, il doit remercier Adolphe Mozito. Parce que c'est grâce à Mozito qu'on a convaincre le président Jean-Pierre Bemba, qu'on convaincre le président Moïse Katumbi, Vital Kamere, Félix, Bangouana Nyonso. Donc, M. Martin ici, Azali, il doit respecter Adolphe Mozito. Mais est-ce que la population, peuple pour retenir que Martin Fayulu a trahi le combat. Combien de Zalaki, il y a une victoire à peuple. Tout le monde a résistance, tout le monde, pour que le peuple a tellement pour récupérer ma Ponamina en 2023. Au moins, Martin Fayulu a sillonné le monde entier. À Kéna, à Paris, à France, au monde de Batambolaki. Ce n'est pas que nos popularités, au Yazolo Bakaye, à combien la popularité, les lots, et ça est fort. Est-ce que vous avez Martin Fayulu en 2006? Oui, il a été. Mouzut, fui Premier ministre. Donc, tant que vous avez un Martin Fayulu, vous avez un Kabila, un simple député provincial. A vous donner président de la République. Mais est-ce que les populations fassent la candidat commun et opposition? Bon, je ne crois pas que Martin. Soit Moutour Moutour Kenande et Nae. Moutour, Bisson Nouvelle, là, tout ça, parti politique. Pour remarquer, peut échec, Nabinone et Zamakas, parce que nous avons un pouvoir, le lot, toi, on a Jean-Pierre Bemba, toi, on a na UNC, il y a président Kamero, et là, qui ça y est, Makas, là, en gros, président de la République, il y a battu bien la minute. Ce qui est bien, ok, en ordre dispersé. Déjà échec, Nabinone. Non, M. Félix, ça. Il y a pour vous, il y a Bisson Vecté des urnes. M. Félix, ça a battu bien la simanette, parce que le long de la suite, Bisson, ah, oui. Excellence Adolphe Mozito Azana Kasongolunda. Osomona maré à Batu Bazolandae. Bazo imbakaka depuis au Kenda dollar et mata. Aujourd'hui, tant aux Olobakiono, vérité des urnes, on a en 2023, non. Bissot nouvelle là comme état parti politique, candidat à Bissot naturel, c'est Adolphe Mozito. Donc, à un moment donné, Fayulu voulait que non, à comme candidat d'État à Congo. Il y a moins au monde à Batu Kaba Fayulu, n'a pas eu peine, il y a qui m'a eu. Donc, tu vas vivre pire, même tu vas vivre dans le régime à Chilombo. Alors, nous, on ne peut pas accepter. Bah, nouvelle là comme si marche pied dans Bango. Bah, nouvelle là comme si, moi si na Bango, nous n'avons pas droit à postuler. Osomona, maman, Naomi. Donc, les lois au Congo doivent retenir que Martin Fayulu a trahi le combat. Donc, parce que le problème, c'est. Le problème, c'est à niveau, il y a copostilé. Donc, ben, il y a Bino. Non, en termes clairs, en termes clairs, l'intérêt n'a pas été postulé, les opprimés sur l'intérêt à la population à récupérer le pouvoir. Non, l'intérêt à la nouvelle et là comme parti politique, ils ont intérêt d'abord à peuple. Parce que ce qui est intérêt, c'est qu'ils ont le pouvoir. Moi aussi, je n'ai pas dit que nous avons à Martin Fayulu en 2018. Parce que moi aussi, je suis candidat en 2018. Jean-Pierre Bemba est candidat, Moïse Katumbi, moi je suis candidat. Donc, au moins, le niveau de la dictature au Fayulu Azanamo, donc je ne crois pas que nous sommes les hauts et bouillis. Parce que ceux qui m'ont déjà été capables de respecter mes bécois dans la carte à la mouka, charte à la mouka. Alors, mon béco du cousin. L'ingrédient est très grave. Il y a moins de gens qui ont le couta tellement de gens qui ont le couta maçon, je suis là. Oh non, Mozito, tu as un bloc patriotique. Oh non, Mozito est un kabiliste. Mais oui, Mozito est kabiliste. Il a travaillé sous Kabila. Alors, Fayulu Fikiki. Fayulu aussi fut kabiliste en 2006. N'a pas chaloupa. Tout n'a Fayulu. Oh le lazo le bakenon, a tika okouta na kabilate. Il fut na nini na ekofi na assemblée provinciale. Mbongo wano a zoi pa André Kimbuta. Bonsoir à travailler na kabilate. Mbongo a zoi ki pa André Kimbuta 40 000 dollars. Très bien. Donc, on se pas avec Kabila. Donc, ma Congolais, le lobe a retenir que, maman Naomi, Martin Fayulu
à côté si politique il y a le coutan bah tout n'est pas donc parce que bisous de l'obito respecté mino bokei kota moulana kabilanzela bloc patriotique bolobito bounisamo na mboka chilombo bisous bi toi comme mounisa chilombo te parce que chilombo a sa fruit à tricherie ou et où tu es pas à kabila donc avant de manger mounisa chilombo il faut trouver un problème la racine tellement déjà vous avez du solaire 500 000 dollars tellement déjà vous avez 500 000 dollars à pessi bango et pas y'a battu à FCC. Oui, ça va préfeter, bien sûr. Moi, je vous dis. Donc, depuis que Zaki n'a qu'à être à la Mouka, moi, je me posais déjà à M. Fayoul. Oui, ma Kalisus va suspendre à l'époque, l'obé la Moukoutou, ma média va suspendre à partir. J'ai dit, M. Fayoul, la zone ambitieuse à la Mouka, à qu'un européen, ça a un monde à battre à FCC. Naïla Lobino, peuple congolais, vous devez faire très attention à M. Martin Fayoul. De toutes les façons, Non, excusez-moi. Nabi, Fayoul, le Bozomouna, Oeboué, Alina, Zola Mouka, à qu'un européen, ça a bah, c'est super nanaï. J'ai fait 6 mois dans le bac à la côte à la nouvelle élade. Et aujourd'hui, nous sommes où? Tant on va travailler pour comprendre que nous avons un bruno, nous avons un colbeza à solo. Et puis nous avons un arabe. Martin Falaza est sous la popularité de Bimbo Kanisawana. Bayo Kanina, tu as perdu. Ma paix, si tu as 300 000 dollars, il y a un autre monde à Nico Mengele sur les cas pour finir avec Adolphe Mouzit. 300 000 dollars. Nous sommes là-bas qui dans le Parlement de Bimbo. Pardon, Zéla. Oh, ben, on a un peu de il y a un moment où il va payer 300 000 dollars pour que non, tant qu'on fait la raison, on a qui n'a pas été concerné dans le Canada, la musique. On a un bac à dire, on a Congo, Congo, Mboka. Il n'y a pas de problème. Il faut le faire. Il faut le faire. Vous croyez que non, Moïse Katumbi a fait une réconciliation dans Kabila. Matata Ponu, Shadari, président Moïse Katumbi et les autres là, vous croyez que non, il faut le faire. 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 Il faut la tombe politique. Donc, le long, oui, ce qui est besoin que nous avons dans le gouvernement, il y a l'Union sacrée, tout le monde est au Kenya depuis qu'il y a là. Mais, madame, on a dit que nous avons l'Union sacrée depuis 2019. Le long, on a 2022, nous avons dit que l'Union sacrée pour la bitumba résistance, ça veut dire que nous avons dit que nous avons invalidé l'Assemblée nationale pour la bitumba résistance, pour la faillite. Pour la faillite. Est-ce que vous voyez bien moi? Donc, bati kako kosa. Parce que bon, moi, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Elle est super, elle est super, elle est bras dessous, bras dessus. Je suis en train de faire ça. Surtout que je suis en train de faire ça. Et je suis en train de faire ça. Si vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de faire ça. Maman Naomi. Nako finga. Mais vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train de faire ça. Donc, là, vous êtes Azui babandi nyonso ya kisasa aina bango na siège à nouvelle là ono babuka kaka siège à nouvelle là pona nini parce que babi mission na bango eza bazwa la muka ba kende ba kokota lisanga na kabila ko babundisa Félix mais diablo c'était ça pour autant avant de diable. Passer à autre chose oui. Bien sûr question nazo mituna Adolphe Mouzitu en lui seul qu'on s'est présenté en tant que candidat président de la République a une chance. Oui, il y a une chance plus de 90%. Ah Adolphe bon? Mouzitu. Population comme... na ouais. Au moment qui Bercy et Bimisaki sondage, ah ouais. Il fut troisième personnalité politique. Le bien aimé dans le Congolais. Le lobo, t'as la carte à tourner. Nenge Mouzitu banaki na Kwamut. Mouzitu a qui na Popo Kabaka. Grand bande nous a contrés, c'est normal. Oui, c'est là. Mouzitu a nationaliste. Mouzitu a un agenda. Il est connu à niveau international, qu'est national au niveau africain. Mouzitu dans la dimension politique, ba faut lui c'est sa mission politique à monter ma bête. Mouzitu c'est la tête. Ce mon émission bilingue tout ça permet à Mouzitu parce que tout ça a besoin de profiter de maïla Mouzitu. A son formé biso pour na gérer république. Politique c'est ça te au finga. Politique c'est ça non, nyoso gouvernement zo sala. Il faut bon nous moindo échanger. Et co-résoudre quelque chose au changer. Oui, marche et co-résoudre quelque chose parce que Nazela ya ba manifestation ça reconnaît na ka tchombe ko lokozi na biso nde e ko sala que non ba autorité o bazo ka mamboka lelo ba tia musolo pour que non ba sola na biso ba bunda na lolenge o longo bani et puis ba somba minduki ndenge zala ki proposition ya mwana mboka Adolphe Mouzitu ya mwana tozo bengi sa bilenge banso ba longwa na politique ya distraction ya monsieur Martin Fayoulou ba longwa na politique ah, donc, yo, la ki Martin na politique ya lokuta parce que Fayoulou alingi mboka o yebo ete Fayoulou travaille pour les Rwandais. Vous comprenez?
Parce que les gens qui ont été agressés, ils ont une partie qui ont été agressée. Est-ce qu'il faut le dire? Aujourd'hui, il y a Kwamout. Mais vous avez vu la passion de servir le Congo. Mozito a un risque avec sa délégation, il y a qu'on parcourir l'espace sur la Mobimba. Aujourd'hui, on a compris ces alliés. Donc aujourd'hui, tu es battu au Bali, au Congo, Natango, au Congo. Na minute au Congo, où serait Fayulu? Faut le dire, au Canada, aux États-Unis, à ce niveau Mbala, à ce temps Mbola qui tourne quoi ça, mais dans le Congo, battu parce qu'au fond, il n'en parle plus. Et puis, Tango a aboyé. Aya Zuba na batu, a même pas on a cette Thérèse Baké Babini, et puis dans aussi ça obina wana ba Panzani, ce n'est pas ça notre combat. Nous avons dit, Mozu tu l'avais bien dit, il faut kubundi ça ba Rwanda bazo mama biso. Alors il faut ton ami pour sécuriser ba Congolais. On comprend maman Naomi. Donc c'est ça la politique. Mouté mama be bande kuna biso essayé bazana ngoba tika. Parlons Congo. Osamona, nous devons voir le Congo. Parlons Congo. Quand je vois Niko Maenge le Oyoboué, Azo fin na Mozito. Quand Mozito fut premier ministre, qui était Fayulu dans ces pays? Osa comprendre. Mozito propose. Mozito propose pour le Congo et pour l'avancement du Congo. Parce que le but est que non, Denizaki, Félix est bon et Mati, Mozito a dit que non, bon et Mati, bon, que non, Mozito a qu'une union sacrée. Mais ceux qui ont travaillé, Mbong et Mati, il a fallu que tout le monde ait implication ou bien, et ça, les liens Mbong Wana. Pour la Baniko, ma yengel, ma yengite. Pour la Fayoulou, a dit non. Mon Dieu, toi, ça, quand marche, Pierre, n'a dit, c'est pas si. Donc, le lot Oeboué, problème, ils ont plus intéressé par Congolais, ils ont se promis à Bounagan. Problème, insécurité. Ils ont demandé, il faut le faire en États-Unis, non. A ce moment-là, ils ont dit, Bounagan, ah, Oeboué, t'as ma cousonga, n'est pas son tambour, la canabato, FCC, Libala, la Bango, pour Baya, Baya, pour Ambouye, Barabato. Donc aujourd'hui, les Congolais dans l'Assemblée, ils vont retenir que non, Fayulu a trahi le combat dans moyen pour des biens de vente. On répond à la question. Non, on répond à la question. Mais maman, on répond à la question. Donc, il y a une agenda dans le Congo. Non, il y a qu'on éclairer le peuple congolais. Tu peux savoir une lumière. Parce que tu as fallu lutter la politique à Moutemabe. Azabalon, Félix Patin, Mozito a travaillé à Kabila. Or, il y a un plus kabiliste que Mozito. Mozito sera premier ministre à Kabila. C'était les accords, il n'y a pas loup. C'est ça qui est Mozito, la première ministre. Et puis Mozito va s'opposer à la Kabila. Répondez à ma question. Donc, il y a une autre question à la docteur Denis Mukwege. Et ça, la question de Mozito. Parce que mon a un temps, Mozito, le lobby qui est une nouvelle, là, pour ça, la candidat président en 2023, candidat à Bissonani, Adolphe Mozito. Fayoulou, a t dit, Niko Maenge, il y a un peu pour l'écran la télévision, pour finir Mozito. Donc, n'a évité. Donc, docteur Denis Mukwege, c'est ça qui est victime de Mozito, sa victime. Il y a ma finga, il y a toi ici. Il y a ma Niko Maengele. Oh, yo, boye. Ozo mon abango. Baso, c'est le remonté dans la boucle. Niko Maengele avait dit ce qui faut, la bimis, si le peuple était dans un soulèvement populaire, ou quitter Fayulu. Mais juste après, du contraire, Niko Azara a simé à Fayulu. Très bien. Donc, moi, je suis contre parce que j'ai suivi cette vidéo. Il y a des conabiso Gulit. C'est vraiment. C'est anormal. C'est irréfléchi quand j'ai suivi cette vidéo. Il y a des conabiso Gulit. Traiter docteur Denis Mukwege que non, Moussala n'a pas de quoi limiter pour réparer ma radio et à ma maman. Et sa malédiction, selon de Kogilit. Alors, moi, je me pose une question. Tant que de Kogilit à Sanisaranzo, tu n'as moins si n'a pas de malédiction. Non, pas jusqu'à ce point. Mais non, c'est la comme à la télévision, quand même. Donc, acte on a, sur les salaires qui bissent au bas, au tout ça, la carte opposition, tout le monde a déjà ma plaie et n'a des salaires. Donc, docteur Denis Mukwege, c'est une personne. Sous le plan scientifique de Koboyate. Tant que ça, la Kamoussana pour réparer Bamao, bah, Bazo, violer Bamao, parce que l'État, ça coexistait dans le Congo, parce que l'absence totale, pour sécuriser les Congolais, il y a un monde, il y a une politique, il y a une nouvelle de la Tolobi, il faut toujours pouvoir, pour que ça, nous avons accent priorité dans la défense. Deuxième lieu, c'est l'économie, et puis troisième place, c'est la diplomatie. Mais tant que docteur Aoussala Makamouana, Denis Mukwege, il a été à l'île, ou bien qu'il a souci, il a été à Kabanzo, tu es maman. Mais que les canaux télévision étant que leader d'opinion pour tenir ma propos en dingona, moi je pense que c'est vraiment être irréfléchi et puis ça mérite vraiment que l'on va poursuivre des judiciaires et salement. Mais malheureusement tout ça dans régime Oyobobakosa de l'autre côté, mais il faut trop libérer Congo, na bandeko Gilit, na ba Fayulu, na ba nani babi Pengé, ils seront jugés pour un acte ya ba barbarisme. Donc vous croyez que Adolphe Mouzi sera président en 2023? Mais bien sûr. Adolphe Mozito, il a travaillé pendant 4 ans, premier ministre. Il a de l'expérience. Donc, la différence, c'est que nous avons comparé populisme.
na intellectualisme et puis une expérience très bien. Ce n'est pas Faoulou qui a façonné Mouzito, mais c'est plutôt Mouzito qui a façonné Faoulou. Il faut préciser à l'Andeko Trésor Kalala qui vient de nous rejoindre. Moko ya Union Sacrée, Mwanamboka a coqué déjà pour rejoindre Bisson à plateau sur débat au Tozo Salami, Mingi Pé, liberté d'expression. Déco Trésor Kalala, bonjour. Bonjour Madame Naomi. Je tiens à m'excuser pour ces retards parce que j'étais appelé à une autre tâche qui m'a pris un peu de temps. Dieu merci. N'a commis avant émission ici là. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs au Bazo Landabiso, plus précisément à ma membre à parti politique Nanga, Alliance pour les actions de développement du Congo, Oyo et Kamba Minamona Mboka, Madame Adèle Kabena. Na secrétaire général maître Eloy Koupa. Et je dis aussi bonjour à mon co-débatteur et je crois que nous ferons un bon débat. Mais déjà d'entrée des jeux, j'étais en train de suivre tout ce que mon frère était en train de dire. Permettez-moi de placer aussi un petit mot avant d'entrer dans votre vif, n'est-ce pas, de la question. Par rapport à tout ce qui se passe dans la Mouka. Aujourd'hui, Nazo s'est posé question, et même la population s'est posé question, qu'est-ce qu'il en reste encore? Qu'est-ce qu'il en reste encore de la Mouka? Vous voyez comment ils sont en train de s'entrer dedans, inutilement, parce que Eloko Wana et Koufa déjà bandakala. Et puis, avantage Nabiso Koma, parce que nous nous concentrons sur ce que nous sommes en train de faire. Le président Tshisekedi a la confiance de toute la population qui va renouveler encore son mandat. Donc, ça ne nous avantage à rien parce que c'est un non-événement d'abord, mais parce que c'est l'actualité, on peut placer un petit mot. Mais j'entends, on est en train de vanter Mouzito ici sur ces plateaux, mais moi je suis en train de rigoler. Je suis en train de rigoler. Mouzito n'est pas un modèle de leader à suivre dans ces pays. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train... Et puis, Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre insécurité juste à côté de chez nous, ici à Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des éleveurs, Mokobaya Kakuna. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont en train de tuer aujourd'hui les Congolais. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu des vidéos, il y a eu des gens qu'on a arrêtés. Et... À l'époque, la population avait crié pour que Batouana Balongawana, parce qu'on dirait qu'ils avaient une clairvoyance, ils avaient une vue de loin. Mais qui est allé installer ces gens-là là-bas? Éleveur, il y a Bangombe, il y a Bangombe. Qui est allé les installer là-bas? N'est-ce pas, Mouzito? Quand les gens étaient en train de crier, non, il faut Bazonga, Bazaba Rwandais, et qu'on sort, ils vont nous créer des problèmes à l'avenir. Mouzito s'était déplacé ici. La vidéo circule. Il a calmé la population et il a demandé à ces gens-là de rester. Et voilà aujourd'hui, ces gens-là, Bazo Gomabat. Donc ça, c'est sur la tête de Mouzito. Parmi les gens qui ont contribué à l'insécurité, Oyo, Mouzito fait partie parce qu'il y a Moutakenda qui a calmé Batou. Et puis ceux qui t'ont sali, ralima de fait, lorsque va perdre élection en 2018, qu'est-ce qu'il a eu à déclarer? Il était à l'extérieur, je crois en France ou en Belgique. Il a dit clairement que nous allons tout faire afin de créer de l'insécurité. Pour que les investisseurs baillatent. Vous voyez que c'était, on dirait, un plan déjà bien préparé en avance. Il est allé, voilà, il est allé se déplacer pour la Koluka Kimia. Parce qu'il y a des gens qui ont appelé ça qui m'ont tourné. Il y a beaucoup de pays qui montent parce que c'est pas grand population. Mais il fait partie. Écoutez, la population en son temps, sans calme, la population en son temps avait crié que Batouana Bazonga. Mouzito est allé convaincre la population, ba vidéo Ezali. Asololina Batouana, Asololina population, et puis Batouana Bafandi. Voici maintenant, aujourd'hui, les mêmes personnes sont en train de nous créer des problèmes. Et nous rallions ces faits-là, il y a Oya Lobaki, qui est créé insécurité pour que les investisseurs baillatent. Donc, Makamwezo le Kakuna, la personne la plus heureuse aujourd'hui, mais c'est Mouzito. Parce que souhait naïe que l'instabilité est cotée pour que les investisseurs baillatent, ils vont s'accomplir. Mais comment se fait-il? Non, c'est de l'arme des crocodiles. En fait, il joue au pyromane. Plutôt, c'est lui le pyromane et puis il vient jouer maintenant aux pompiers. Yemoutou, l'originaire Yamakambouana, si aujourd'hui on est en train de souffrir, l'insécurité est en train de grandir là-bas, c'est parce que Mouzito a boya kebatouana bakende, alors que la population était en train de les chasser. Il n'est donc pas un modèle pour notre pays. Il n'est pas un modèle. Bon, aujourd'hui, il vient de se séparer avec
son frère Fayou. Je crois qu'il était temps qu'il parte, parce que vous allez constater qu'il n'avait aucun respect à l'égard de Fayoulou. Fayoulou n'a cessé de les ridiculiser à tout moment. Mouzito, c'était pratiquement le garçon des courses. Ah, mais c'est aussi Aza leader. Aza oui, bon, c'était carrément un garçon des courses de Fayoulou. Fayoulou l'utilisait comme il voulait. Quand Fayoulou est là, Mouzito ne peut pas parler. Et quand il veut parler, on lui dit tais-toi. On avait vu ici lors de la dernière marche, la marche où Batiaki Fayoulou mis ça partout. Vous vous rappelez? Il rentrait dans les véhicules. Quand Mouzito voulait parler, lorsqu'il a fallu laisser les policiers de Bololé. Mais quand Mouzito voulait parler, mais c'est moi qui coordonne. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment ridiculisé, pris pour un petit garçon des courses, il y a Fayoulou, sans personnalité, sans quoi. Donc il était vraiment temps que Mouzito puisse partir. Mais il y a Union Sacrée, tout n'a rien à obliger. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il est en train de penser. Il a dit qu'il va présenter sa candidature. Bon, je ne sais pas, il sera élu où? Il sera élu où? Parce que ce qui est vrai, parmi les leaders qui ont un vrai capital de leadership dans ces pays, on ne peut pas parler mais de apparemment, Union Sacrée, Union Sacrée, peut vous avoir un candidat, vous avez dit qu'il y a Moïse Katumbi, vous avez dit qu'il y a un problème, titi, vous débauchez, vous débitez, et là, c'est avec Adolphe Mouzi, tout le docteur, Denis Mukwege, pas comme au fin, il y a Union Sacrée. Vous avez dit qu'il y a un boy. Le président Tshisekedi, puis son nom est Ozaboué, Simon Félix Tshisekedi, même tout le peuple congolais. On ne peut craindre aucun candidat parce qu'en face de nous, il n'y a pas un candidat qui peut faire face à Félix Tshisekedi. Et surtout, et le réseau de la Félix Tshisekedi, c'est son bilan. Dites-moi, Otangi Batouao, Otangi Moïse Katumbi, parlons-en. Parce qu'on ne veut pas parler des gens ici. Bon, au moins vous avez cité son nom. Parlons-en. Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'il il représente par rapport à un ancrage national? Ancrage national. C'est un grand leader. Un grand leader dans le foot. C'est un grand leader dans le foot. Nous connaissons que c'est un grand leader. La politique paix, c'est un grand leader. Non. Moïse Katumbi n'est pas un grand leader politique. Déjà qu'il n'a jamais été politique. Nous savons comment il a été à la tête. Il y a province, il y a Katanga, et même sa gestion, et même l'héritage qu'il a laissé à ces pays par rapport. Il y a gérance, il y a province, il y a Katanga, ce n'est pas un leader. Et c'est comme ça que je dis, s'il faut servir ces pays, est-ce qu'il faut seulement être président de la République? Question. Oh, mais ce n'est pas interdit quand même, il y a relaxé sa ambition. Oui, ce n'est pas interdit, mais chacun a son expertise. Vous voyez quelqu'un comme Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui est très spécialisé dans le domaine comme des sports. Moïse Katumbi peut être ministre des sports, par exemple. Il peut désirer être ministre des sports pour soulever notre sport. Au moins, le sport, on a vu ce qu'il dit. L'Inafoot, problème, Fekofa, problème. Moïse Katumbi peut être un bon ministre des sports. À la rigueur, s'il ne veut pas être ça, il peut être même président de la Fekofa. En tout cas, moi, je vois Moïse Katumbi un bon mais président, pas président de la République. Non, je le vois aussi comme président de la Linafoot. Moïse Katumbi peut être un bon président de la Linafoot. Bon, parce qu'il aime toujours la politique. Bon, il peut être même ministre des pêches et élevage. Parce que c'est un bon fermier. Oh là là. Il a des étangs et tout. Je crois. Problème d'un bon, expertise des Obama. Or, nous avons un expérimenté comme Moïse Katumbi. Il peut être même ministre des pêches et élevage. Expertise, excusez-moi. Expertise aux Obama, notre actuel président. Avant, vous avez la présidence, vous avez une expertise. Au moins, le président de la République, avant Akoma président, Azalaki le chargé. Il y a les affaires internationales, il y a eu des pèses. Vous comprenez? Mais oui! Vous le comparez à un gouverneur déjà, il y a un grand Katanga. Écoutez d'abord, parce que là vous superposez maintenant les questions. Il a été comme le chargé des relations internationales. Il y a parti politique, pas n'importe lequel, madame. Le parti politique, une des pèses qui regroupe des millions de militants. Et il a eu à sillonner le monde, il a eu à avoir une expérience avérée en matière de diplomatie. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous voyez, même quand il a pris le pouvoir, sa diplomatie est en train de bouger les lignes dans le monde entier. Donc il ne faut pas comparer Félix Tshisekedi à Moïse Katumbi. Moi, je veux Moïse Katumbi comme président de la FECOFA, président de la Linafoot. Parce qu'il veut faire la politique, je le veux ministre de sport ou encore ministre des pêches. Ministre de l'élevage, là, il peut faire de sorte à ce que notre pays soit développé. Mais si il faut aller jusqu'à la présidence, moi je crois que ce sont des ambitions démesurées. Moïse Katumbi, il a ambition démesurée. Ah bon, et déjà messieurs, ça c'est au peuple de et décider. Déjà que les messieurs, et là, oui, et déjà que les messieurs posent un autre problème.
Il pose un autre problème, un grand problème. Monsieur pose un problème de nationalité. Il pose un problème de nationalité. Son frère Katebaï a le dire que ce monsieur-là, ce n'est pas un Congolais. Moïse Katumbi n'est pas Congolais. Pourquoi il va venir diriger au Congo? Parce que vous dites que c'est au peuple de juger. Ok, est-ce que le peuple congolais, pensez-vous que le peuple congolais peut donner sa voix encore à un étranger? Non! Il est grand temps que le Congo puisse être géré par ses dignes fils. Alors les gens comme le Moïse Katumbi, ils ne sont pas dignes d'être présidents de la République. Là, c'est à la justice, il y a repouvé en haut. Et puis c'est à la constitution, il y a repouvé sa vie sur ma ligne de conduite. Vous êtes là, moi je suis là, mon frère en face de moi là, et même tous nos amis qui sont là. Quand on nous met là, à côté de Moïse, mais on sait voir que celui-ci n'est pas congolais, les autres le sont. Est-ce qu'il faut des lunettes pour comprendre? Moïse Katumbi n'est pas congolais. Ni de père, ni de mère. Dixit, Katebe Katoto, son propre frère. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi? C'est pas très si il n'est pas congolais, il n'est pas populaire, pourquoi Azo Pessamino agitation? Non, qui est agité? C'est au contraire lui qui s'agite. Comment expliquer que toi tu es dans la gestion? Tu as les ministres, tu as les députés, tu as les mandataires. Mais matin, midi, soir, tu ne cesses de tirer sur l'administration dans laquelle tu participes. Tu ne cesses de tracer des lignes rouges. Combien de fois Moïse Katumbi a tracé ma ligne rouge? Oh, ceux qui peuvent franchir, boy. Non, ça, là, boy. Ceux qui peuvent franchir, boy. Non. Combien de fois il l'a fait? Donc, la personne qui est agitée ici, ce n'est pas nous. Nous, nous sommes sereins. Nous sommes calmes. On travaille. Mais l'agitation est plutôt dans son camp. Et moi, je crois qu'il doit carrément se prononcer que non, je quitte. Parce qu'il était venu librement. Il peut aussi partir librement. Très bien. Pourquoi faire des chantages? Vous avez parlé de Dr. Mukwege. Apparemment, j'espère qu'il a récupéré le temps. Non, non, moi j'ai parlé pendant 11 minutes. Lui, il a parlé pendant 20 minutes. Vous êtes arrivé en retard. Donc. Mais il fallait que je place un petit mot aussi par rapport à... Dr. Mukwege, docteur, sur le dossier à Dr. Mukwege. Dr. Mukwege, Mimbenga, Oazak, Colombie-Labissou, candidature, il y a président Naye en 2023. Le président Naye a acquisé, il y a un déconnu, il y a un bactère. Donc maintenant, tous les appels du collègue, il y a Adolphe Mozito. Oui, merci, Napissi Mboti, dans votre trésor. Car le moment où on a vu ça, que non, politique a failli, il y a battu IDP, c'est la politique à l'Okuta. Moi, je ne suis pas un IDP. Mais vous avez souvent. Il est de l'Union sacrée. On m'a bien présenté ici. Donc, catégorie la ville. Il fallait être attentif. Ma branche est IDP. Non. Donc, ils ont parti. Je m'excuse, par élégance. J'aimerais présenter mon parti politique. Moi, c'est AADC, Alliance pour les actions des développements. Mais ça, c'est pas l'OIDP, ça boutine. Non. Nous sommes un parti autonome qui est né de soi-même. Tu me colles la casquette du DPS, je ne suis pas IDP. Mais IDP, c'est pas tu, Baba et Bélé. Non, ton Zaban en a été. Baba, mon souci, j'ai décidé, Fayoul. C'est un fruit de l'IDP. Les investisseurs, tu as un mandat à Bino ici, là-bas, où il y a Picardie. Insécurité à Liboso, 20%. Mouy bien bon, il y a 20%. Et ça peut être sécurité. Climat, on n'a pas investi, là-bas, où il y a Nengeni. Quand vous volez l'argent, RAM, vous continuez à pouvoir, et là, Liboso, il y a un peuple RAM. Bon, on a mis sur RAM, ils ont annoncé. My God, rêve! Justice, c'est ça, malongate. Il y a mon coin, mon Bino, tu l'as dit, l'appareil judiciaire de notre pays est pourri. Même si on a une boutique qui n'a pas beaucoup de cabac, on se rendre compte non, sur le plan sécuritaire. Est-ce que la justice est en place sur la place qui n'a pas beaucoup de problèmes? Problème est opposé, et ça n'a pas de problème que l'élection est quelqu'un qui n'a pas la montée. Ce n'est pas la personne qui a gagné les élections. Donc, il y a un moment où je suis que moi, investisseur, il y a exacté. Moi, je ne suis pas un rebelle.
Bon, voilà, monsieur, je ne sais pas comment créer une insécurité. Alors, quand on a contexte, c'est ça qui contexte que non. Mm. Problème dans la justice. Problème à sécurité. Problème à l'élection. Parce qu'il faut créer la sécurité. Il y a un investisseur pour qu'il y ait un il faut qu'on rassure la sécurité à Malonga. Et ça a été connu à Moutoua gagner qui réclamation. Aux hommes, parce que. Donc, ce qui va investir, ça va être un bon. Investisseur, ça va le prendre à Saint-Esprit. Saint-Esprit va investir à quelle est la réalité. Donc, aux hommes, ma maman, Naomi. Donc, dans le contexte, mon site, on le bâti, il y a un et puis, et mon ami, tel régime, Navarro, ce sont des gens qui ont venu piller systématiquement la République. Le couteau n'a qu'à être à mon endroit, il dépêche quand on a le couteau n'a qu'à être décidé. Donc, il y a un dépêche, c'est beau. Pour le coup, ma fille, dans la télévision, pour tout matin, midi, soir. Proposition, il est élevé. Il dépêche, pardon. Il dépêche depuis Bazaouana. Qu'est-ce qu'ils font? À part pour rassonner le peuple. Et si depuis Bazaouana, la politique, il y a eu un ou a failli. Ou qui a proposé, il comment pour retourner au Congo? Pas du tout. Même la Mouka, la Mouka n'avait pas un programme d'action. Il y a une autre commission nouvelle à Tolobi. Avant qu'il y ait une élection, il faut que tout le monde ait un projet de société. Ils ont touché directement le problème à peuple congolais. Social, transport, misala, réduction de pauvreté, oui, sécurité. Non, c'est qui m'a questionné. Il y a un autre moment, c'est que le coin a tout. Le coin a pas un autre sujet, c'est la politique à refinir. C'est ma casse, c'est un autre. À l'obi, il y a un Fayoulou, à ce qui m'a dit, c'est comme un garçon de course. Mais monsieur, il faut que Fayoulou, c'est un homme d'État par rapport à Mozito, c'est un homme d'État par rapport à Fayoulou. Faut le insulter de Bolole, faut le refinir à Batou. Et puis, il y a un Batou, on a un nouveau comparé à Mozito. Mozito, encore qu'on s'exposait devant ma policier. Parce que ça n'a respect, il a géré, il connaît les secrets d'État. Différence, c'est la mesure que nous avons fait à Félix Yamouana. Vous comprenez? Donc, le nom de Maman Nangaï, il a évoqué que nous avons créé un créé Bambororo. Mozu, tout en Batouana, il est éleveur des vaches. Mozu, tout le premier qui quitte Kouna. Retourne à Bango, Bouti Wap. Bozon n'est pas la Bino. Bras de fer et outaf Mozito n'a pas eu la Kabila. Pardon, à Ebisi Bango, Bozo n'est pas la Bino. Kabila est mon quoi personne à quitter Kouna. Mais le haut bouton Bozo va tenir ce Mozito à Mema Batona. Ils ont le couta, ils ont le couta de votre trésor. Il faut arrêter les mensonges. Parce que le haut, au moins, il était en sécurité. Bandina Banda Kwamoutou. La première personne à connaissance des Akinaï. C'est Mozito. A qui Kouna pour la compatir dans le peuple. Parce que l'État n'existe pas au Congo. L'État, même le cardinal Mbonga Lobi, Batindi, Batou, ministre, ministre, Kimi. Mais Mozito, il a franchi, il a frôlé même la mort. A Keïna Kouamou, tu dis, oh, boy, Baso Boma, et puis tu dis qu'on va continuer comme Boma. Tant que Mozito, Bamakamsoun, de Kotrezor, il faut qu'on se rassure que non, Mouto Zoloba, Azamoutou, oh, boy, Azolouka, que non, Mboke, c'est la malame. Parce que le nom, oh, boy, Bamou, même, il dépèse. Baso Lobani, il faut qu'on recourir la proposition d'Adolphe Mozito. Il faut faire la guerre avec le Rwanda. Si réellement il bino batoi union sacré besoin de pouvoir, si Félix avait le pouvoir, moi je propose il au cas Félix ça sera bouclage, à tout ça bouclage à Bakuluna. Parce que bisous de bout de Bakuluna, t'es tant que mutant il classe si classe, Azani Moussa il devait aussi Kuluna. Donc maintenant il va savoir que batoi comme Bakuluna, ça l'État au directement tout le monde a tué l'ombo, Azan incapable à réduire taux de chômage à ma jeune. C'est quoi population Zolanda Bisso tout ça on dirait. Donc oui. Population Zolanda Bisso, mon amboka Bruno Mbenga. De quoi, il y a une nouvelle est là. Oui. Donc, le président n'a pas dit qu'il n'a pas créé, il n'a créé une sécurité. Est-ce que ça peut aller en Mboka? Toi, ça peut aller en Té? Non, maman. Mais quand tu l'as réussi, le président de la République. Bah, toi, le Bouma, le Congolais, le Zali. Bah, ça, on a quand même ça. Félix, c'est lui qui est à la base de tout ce qui contexte, voilà, on a compris. Donc, on a expliqué, non? Félix, c'est qui est à l'insécurité au Congo, s'appelle le Tchilombona, bah, Fayouf. Oh là là. Vous en comprenez? Ils ont créé les sécurités partout. Na Congo, est-ce que ça Mozito? Yo yoka déjà mais qui l'a déclaré? Na rapport mapping, le monde a combattu Mozito dans la carte. Mais Félix travaille avec qui? Il a travaillé avec la Kabylie, les Jean-Pierre Bemba sont là-bas. Tous les criminels sont là-bas avec Félix. Les 1-23, Baloja Bango, Trésor Kalala, oh mon Bango, oh, Baïd Baloja Bango, Anna, Grand Hôtel, 14 mois. Tout ce que vous voyez là, les sécurités, il s'agit de parce que M. Félix ne respecte pas les accords. Ce qui a eu kaki, à ce qui m'a eu à procès aux nouvelles, les pésarins, mon amour Adolphe Mozito. Tolobim Bongo m'a dit 11 milliards. Bolo m'a 1 milliard. Bolo tiens mon défense. Bolo fouta Basoudan. Abiso 500 dollars. Oh, Bolo Pologramé aux salariés en sécurité. Yako fouta Basoudan. Est-ce qu'il a fait ça? Pas du tout. Donc, insécurité, je suis besoin de mon ézol. Mouto a créé insécurité et ça tue l'ombo parce qu'il a signé des accords secrets. Oh, même une assemblée nationale. Parce qu'elle couille par la moitié.
Mozito n'a jamais tenu une arme pour n'avoir le pouvoir ou pour n'avoir le pouvoir. Donc, insécurité, oh, bisous, t'as l'obati. Et ça, qui est dans le contexte que l'appareil judiciaire, il y a beaucoup de monsieur dans ma longue. Et puis, problème, il y a élection à chaque fois, surtout qu'il y a élection, il y a toujours des revendications. Il y a moins de monde qui a investisseur, moins de baya, exactement. Très bien. Parce que l'insécurité, et ça, il y a beaucoup de monsieur. Par rapport, pardon, Makambouya, Mozito n'a pas. Mais papa, il faut la ta manette. Pour mon akérobino, il dépêche, je suis là, Félix. Mozito va vous battre en 2023. Vous avez vu, nous avons construit partout nos sièges. Et puis, tout ça pour travailler. Il y a un projet de société, maman. Projet de société en nouvelle. Et ça, il faut réduire Nano. Problème est à chômage. Problème est à sécurité. C'est ça. Il y a un moment qui est dans la généalogie, nous sommes tous les canaux. Aux yeux, aux yeux, aux yeux, aux yeux, aux deuxième sujet rapidement, tous dossier liberté d'expression. Tout le monde a qui récemment président de la Cour de cassation a Sengi ba revoir à la hausse peine sur offense y a chef de l'État de Côte Trésor Kalala. Vous pensez que liberté d'expression ils a tellement makasi na mboka na biso que comme ko long ko réduire topé comme ko poser problème na développement ko réduire en ko pé sa solution moko. Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais rebondir sur ce qui venait d'être dit ici. Et je demanderai que vos pesanga pétant. Il a fait 11 minutes, non. Chrono. D'ailleurs. Il a fait 11 minutes. Je crois que j'aurai aussi suffisamment de temps. D'abord, je ne suis pas membre de l'UDPS. Nga parti nanga Alliance pour les actions de développement du Congo, Namukou, c'est AADC. Parti cher à Madame Adèle Kabena. Secrétaire général à parti Eza Eloy Koupa. Je ne sais pas ce qui bloque ou ami balé, Ezo Balana. Je n'ai jamais été membre de l'UDPS et peut-être que je ne le serai jamais. Vous êtes donc quand même il ne de faudrait l'union pas. Sacrée. Union sacrée n'est pas égale à UDPS. Ok? Ça, c'est la première des choses. On dit ici, non, Félix, tu sais que tu n'avais pas gagné les élections et consorts. C'est un vieux débat qui est devenu même ridicule. Et je ne comprends pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on peut encore prendre ces débats côté Angolicola Mesa. C'est ridicule, c'est dépassé. Félix Tshisekedi avait gagné les élections haut la main et tout le monde a vu. Donc, tout ce qu'il y a eu à se passer là, c'était ma frustration, c'était ma mécontentement. Félix Tshisekedi avait gagné les élections. Mouzito. Moi, je n'ai pas dit que c'est Mouzito qui a amené ba éleveur Wana. Moi, je n'ai pas dit, que c'est Mouzito qui a amené les Mbororo. Non, j'ai dit ceci. L'air batouana ba commis. Il faut être attentif. Nous sommes dans un débat télévisé, il faut être attentif. Je ne peux jamais me dédire, et surtout pas sur un plateau de télé. J'ai dit ceci. L'air batouana ba commis. La population, il y a secteur où on est d'accord na bangote. Baba ni kotia bango makelele pour que ba kende. Mouzitu a quitté Kinshasa pour aller là-bas. Afin de convaincre la population, Batika Kobengana Bango. Et puis Batouana. C'est Mouzito qui avait demandé à ce genre de retourner là où ils sont venus. Mouzito n'a jamais voulu convaincre le peuple congolais. Tolérance, s'il vous plaît. Tu as fini. Je vous en prie. Mais oui, parce que tu m'as. Continue à parler. Aux autres, ça. Là où tu es. Parce que Mouzito était là pour dire monsieur, vous êtes venu d'où? Donc, quand t'as micro. Mais là, micro, s'il vous plaît. Donc, quand t'as micro, s'il vous plaît. Si c'est comme ça, il ne faut pas aussi retourner dans la minute. Cohérence, s'il vous plaît. Un de contre-trésors, pourquoi tu veux battre comme ça? Mais nous avons continué, s'il vous plaît, s'il vous plaît, technique pour un cas de micro, un de vos brunons. Quand tu m'as comme ça, quand tu respires, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez continuer. Il faut éviter de se ridiculiser sur un plateau de télé. Il faut faire un débat poli. Il faut respecter notre spectateur. Les oreilles ne sont pas faites pour entendre deux voix. Il faut entendre une voix. C'est ça aussi la bonne éducation. Voilà, je disais que moi, je n'ai pas dit que c'est Mouzito qui a amené ces gens-là. Quand ces gens-là, Bakomiwana, population, et Bandiko criait pour que Batouana Bakende, Mouzito a quitté Kinshasa pour aller là-bas. Les vidéos sont dans tous nos téléphones. Je peux l'abondir ici. Mouzito a appelé la population et a appelé ces gens. Il a dit à la population, Bovanda Kimia, Bazaba éleveur, Bayeko Sala, Misana Bango et Bangombe. Il a dit à ces gens-là de rester. On vit où? La vidéo est avec tout le monde. Mouzito a convaincu la population, Batika Makelele, et puis. Ces gens-là, bah continuer comme ça, Babilangana Bango, et aujourd'hui, ils ont causé ce problème. La main noire à laquelle on fait allusion, parmi les auteurs, il y a main noire, wana, c'est Mouzito qui a convaincu la population, Babilangana Bango, et puis, toi, là-bas, ça va faire na Bango, wana, et aujourd'hui, ça pèse sur nous. Si et on cas, dit que c'est l'homme. Maintenant, il y a un problème, je suis très sidéré. Ça me fait très mal. Quand je vois un jeune
sur le plateau de Congo Buzz dire que l'insécurité que tu as vivre dans le monde, l'agression que tu as subir les lots, c'est à cause de Chilombo. Un jeune, est-ce que vous connaissez les enjeux de ce pays? Cette guerre nous est imposée par qui? Et puis ça date de quand? Mais on vient au pouvoir pour cette guerre date de plus de 30 ans. Mais quand quelqu'un vient dire sur ce plateau que cette guerre-là ou cette agression, c'est à cause de Chilombo qui vient d'arriver il y a 4 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui a commencé dans la tête. Parce que ce n'est pas normal. Et moi, je crois certaines allégations, lorsqu'on les allègue, il faut être normal. Cette guerre commence depuis plus de 30 ans. Et Chilombo a 4 ans au pouvoir. On dit c'est lui l'auteur de cette agression. Mais on est où là? Qui ne sait pas que c'est la communauté internationale qui nous agresse par l'intermédiaire du Rwanda? Qui ne sait pas? Est-ce que vous connaissez les enjeux que ce pays est en train de traverser aujourd'hui? Si nous jeunes nous sommes distraits, nous réfléchissons en termes de petits individus, Chilombo, Fayulu, Martin, Bangonde, Bamemi, insécurité, Wana, mais connaître l'histoire d'un si grand pays comme le Congo, je suis totalement sidéré. Aujourd'hui, le Congo, c'est l'enjeu du 21e siècle. Aujourd'hui, le Congo est présidé la transition énergétique dans le monde. Matière éco-facilité, Makambouana, Ezana Congo, notamment l'eau, le cobalt, la forêt, le lithium, le gaz, le pétrole. Bisoba Congolais, Tozanango. Tout le monde nous envie. Bazo imposé biso guerre pour Bakabola biso, Bangoba ya kozabilo kwana à vil prix. Alors nous avons un jeune sur le plateau qui dit que insécurité wana et ezalaka. Na balabo ba mindele banda longtemps et on dit que c'est Chilombo qui est l'auteur de cette insécurité. Moi je crois que je suis totalement révulsé et là je m'en vais profiter pour lancer un message à la jeunesse congolaise. Il est temps que nous puissions prendre une conscience collective. Une conscience patriotique. Reconnaître. Le chef de l'État a promettre. Écoutez, arriver au pouvoir. Mais c'est ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de travailler sur ça. Nous sommes en matière de sécurité. Ce sont des questions hautement stratégiques. On ne les finit pas d'un jour au lendemain. Guerre est durée pendant plus de 30 ans. Aussi, ça m'ôtait dans 3 ans. Impossible. Tu ne sauras pas faire ça. Il faut aller doucement, doucement, doucement. Et c'est ce que Tshisekedi est en train de faire. On nous parle du budget ici. Si vous consultez prévision budgétaire, Otozanangolelo, Naba prévision budgétaire Yakala, on n'a jamais alloué à l'armée Mbongo et Bele Kolekandenge ba alloué les lots. Namuto comité, ce n'est pas encore l'idéal, mais nous sommes en train de nous battre pour aller au-delà. Dernière provision budgétaire, il y a régime. Oh, Yobango, Bazala, partisan, parce que Mouzito a été premier ministre pendant longtemps dans ce pays. C'était 150 millions de dollars. Mais lorsqu'ils sont aux yeux pouvoir, rapidement, on a mis ça. Non, je suis à 7 minutes. On a mis à 400 millions de dollars. Dans le parcours, on a réajusté à 600 millions de dollars. Na prévision, y a sika sika awa. Nous sommes en train de prévoir à 1 milliard de dollars. Nous sommes en train de nous battre pour finir cette histoire-là. Nous avons mis l'état des sièges. L'état des sièges met en mal les affairistes, ceux qui sont là-bas. Ma résultat, ça pas. L'état des sièges est avant l'état des sièges. De l'autre, on met la 4e prolongation à l'état des sièges. Est-ce que vous savez qu'à cause de l'état des sièges, on a réussi à réduire tous les groupes armés locaux? Il ne reste que le FDLR. Et le M23 qui est le Rwanda pratiquement parce que le M23 n'existe plus. Tous les groupes armés locaux, on a élagué ça avec l'état de siège. Et puis pour votre information, l'état de siège a fait à ce que Rwanda a régressé ma exportation à or. Parce que vous devez savoir ici, il faut s'informer. Rwanda n'a pas exportation à Nyonso. À ça, 65% est à la or. 80% est à la coltan. Vous comprenez? Mais depuis qu'on a installé l'état de siège, Courbewana et Kiti jusqu'à 40% pour l'or. Parce qu'il y a eu état de siège, bah clandestinité. Une minute, répondez à ma question rapidement. Félix Tshisekedi est en train de se battre pour mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas lui qui l'a amené, il se bat pour finir ça et il n'en est pas l'auteur. Parce que si tu ignores que c'est la communauté internationale qui est auteur de cette insécurité, je suis totalement Je ne sais pas ce que c'est sur ce plateau de télévision. Rapidement. Liberté d'expression. Liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. Non! Vous voyez, quand Félix apporte la liberté d'expression,
Batou bako miko débordé. C'est comme qui te dit, je te donne la main, mais toi tu me prends les bras. Il y en a même une liberté d'expression. La liberté d'expression aujourd'hui dans ces pays a été amenée ou concrétisée par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous faisons des débats ici. Les gens insultent comme Tshilombo, Tshilombo. Ils rentrent à la maison. Et à l'époque, tant que Naïd de Pes, Mbandeko, Finga, Kabila, les Akini. Non, je ne comprends pas. Je dis ceci. Ali de Pes. Ouais. Tango, moi, je ne suis pas membre de l'UDPS. Pourquoi vous me collez à l'UDPS? Non, 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 je vous colle pas. Vous êtes de l'UDPS. Vous n'êtes pas de l'UDPS. Ma union sacrée à l'époque. Non, 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 l'UDPS. L'union sacrée et ça, rassemblement, il y a Batebele. UNC Azanakati. Ensemble, il y a Moïse Azanakati. UDPS Azali. MLC, AFTC. Donc, union sacrée, ce n'est pas UDPS. Moi, je dis, lorsqu'on vous accorde la liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage. Donc, moi je crois qu'il est de bon droit que Penwana Ezala, les sous-sous, renforcés pour décourager les délinquants. Parce que vous savez que cette peine-là est prise aujourd'hui à trois mois, de deux ans de prison. Vous comprenez? Mais moi je veux que ça aille même de 5 ans à 10 ans parce que nous devons être un pays avec une jeunesse éduquée. Très bien. On ne peut pas être là matin midi soir insulté pourtant de la République qui est garantie par l'article 69, l'incarnation, le symbole même de l'unité nationale. Très bien. On ne peut pas passer à la télé et les traiter à la légère comme je suis en train de le constater. Liberté d'expression, vous pensez que plus que ça makasi nambo cannabis parce qu'apparemment aujourd'hui tout le monde passe et dit n'importe quoi et même sur le président de la République, offense au président de la République qu'on remontait dose topé qu'on remontait penango et remet quand même ni moko ya comment dirais-je qu'aux zones c'est quand même ordre namboka ndeko Naomi maman na ngai na passe na mawa liberté d'expression bandi le lote omoni depuis 1960 ya peuple kongola bandai koloba une personne ba ngoba zolo ba le haut. Il n'est pas de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Monsieur, moi c'est AADC. Moi c'est AADC. Ça va brèche à Mickey. Alliance pour les actions de développement du Congo. Ce n'est pas UDPS. Bon, là, en général, Union sacrée. Qu'est-ce que. Bon, est-ce que. Union sacrée, ça va te bêler la Kati. Ah, on peut ça le son par rapport à ma matière, il y a la liberté d'expression. Qu'est-ce que l'UDPS n'a pas dit à son temps? Il a combattu Mobutu. Mais il faut continuer. Le barbarisme. Il faut continuer. Donc, le fait déjà qu'on va que non, il faut peine ou animata. Ils ont déjà dictature au basso de quoi installer. Remettre de l'ordre. Écoutez, qu'elle n'a jamais. Qu'on a ordre. Je pense que liberté d'expression, ils ont libertinage. N'aimité. Aux hommes, on attend de refaire ça. Ils ont pour liberté d'expression, ils ont droit, ils ont reconnu dans le cas de l'économie à Mokarabiso. C'est question maintenant que nous avons sur la télévision ou la trésor qu'elle a la boue. Pour ça, qu'on attribue à tout Makambu, oh, mais pour toi, salité, diffamation. On comprend. Donc, il a fallu d'abord, bah, moi, il dépasse pas à la modèle. Mais moi, je pense que non. Liberté de l'expression. Quand tu rêves vite, c'est ça. Mais je ne peux pas accepter que non, moutoua, qu'il y a au-delà du libertinage. Vous voyez, ici, nous sommes en train de faire un débat républicain pour d'autres Mambouk. Mais il y a eu qui a eu un insécurité dans l'Est. Ce n'est pas Tshilombo qui a créé ça, il a trouvé ça. Mais monsieur Trésor, on vient au pouvoir pour résoudre les problèmes. Quel est ce problème qui a mis depuis que vous résoudre on résout. Félix Assota, arrêtez d'abord. Ah, toi, la sécurité. Il avait dit ceci. Si je ne finirais pas la guerre de l'Est, c'est que j'ai échoué pendant mon mandat. Ouais, il n'a pas encore fini. Alors, il a réussi à terminer la guerre. État de siège au Binomozo, le Balélo. Bah, tu es continuer de toute façon, tracé comme état de prolongation. Donc, pas créer état de sécurité aujourd'hui. Bounagana, Félix a joué à Pessiamouba Ougandé, à Pessiamouba Rwandé. Aujourd'hui, Bounagana les a. Mais est-ce que Minemwe, est-ce que vous en parlez? Badoukou, oh, il y a un moment dès que nous allons libérer ces pays, ils seront jugés pour un acte à haute trahison. Parce qu'ils sont incapables. Ils ne pèsent si sous régime à Félix. Ils ont. Non, au nom, il y a liberté de l'expression. Il y a un plateau à télévision, il y a un film à président de la République. Maman, est-ce que depuis que vous avez fini? Je suis contre les libertinages. Je soutiens la liberté d'expression. Et ça garantit dans le cas de l'Oligosia Mokarabiso. Félix avait traité Kabila à son époque des papiers. Donc, photo continue. Donc, moi, je ne peux pas soutenir Bati Valère. Je ne suis pas éduqué comme ça. Même Mozito.
Mais quoi on a écouté, on a dit des pêches, on a dit des policiers, on nous dit, on nous éduque de réfléchir comment construire les problèmes, comment construire les pays. On nous éduque comment est-ce que tu travailles, n'est-ce que tu réduis, toi il y a chômage à ma jeune, n'est-ce que tu as le moyen, toi réseau de points d'électricité. Parce que ce monde même, Sony, n'a bureau à président de la République. Très bien. Donc, moi, je pense que, monsieur, vous avez trahi le Congo. Émission, émission, Sili. Émission, Sili, s'il vous plaît. Tout ça qu'on travaille, que nous, en 2023, Adolphe Mozuto a récupéré le pouvoir pour remettre ordre. Parce que, Mbokeza, n'a ordre T. Nous sommes un état bidon. S'il vous plaît, dernier, le co-trésor Kalala, votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour. Qu'est-ce que nous devons faire pour que tout relève quand même pente? Tu vois, quand on a pour le Congo, pour le Congo. Donc, ma canicina. Madame Naomi, j'en appelle encore à la conscience collective, surtout conscience et à jeunesse. La jeunesse est distraite à l'image, il y a monsieur sur ce plateau. Il ignore les enjeux de ce pays. Ce pays est dans un problème qu'on ne peut pas expliquer. Mais le problème s'appelle Félix. S'il vous plaît. Nous sommes confrontés. Et tous ceux qui sont au sein de l'Union Sacrée. Le problème de ce pays, ce sont ses ressources. OK ? Et les yeux de tous les prédateurs, ils ont braqué sur la République démocratique du Congo. Si la jeunesse continue à fixer les individus, nous allons perdre ce pays. Il est en train de chanter, il veut que Mouzito puisse être président de ce pays. Sogito Pungisimboka Oyo, il sera président sur quel territoire ? Il est temps de nous souder. Il est temps de nous unir. On ne peut mettre pas les enjeux de ce pays en face de nous. Nous avons des minéraux Oyo, 21e siècle, et Zolukanamoma Oyo. Nous avons les minéraux du présent. Il faut être unis. Ce qui t'osa divisé, t'as perdre Mboka Oyo. Et on ne sait même pas sur quelle terre nous allons diriger. Donc, moi, ma conclusion, je ne veux plus encore descendre. Mmh. Je ne veux plus parler de Mouzito, déjà que ce sont des donc, gens le Congo est en inutiles. Danger. Le Congo est en danger. Ce n'est pas une affaire de Chilombo. C'est une affaire de tout un peuple qui doit s'élever et dire non à l'impérialiste. Le problème est à ce niveau. Si nous allons plus loin, ce n'est même pas le Rwanda. Le Rwanda ne peut jamais attaquer la République démocratique du Congo. Ils n'en ont pas le moyen, moins encore les capacités. Le Rwanda, c'est un alibi que les grandes puissances Bazo utilisent. Alors, si les jeunes Congolais ne comprennent pas ça, ils se plongent dans des débats banals, des débats ridicules, pendant que ces gens-là qui envoient les jeunes dans les plateaux de télé pour faire ce genre de débats, ils connaissent les vrais enjeux de ce pays. Mouzito sait que ce n'est pas le Rwanda. Il sait que ce n'est pas Tshisekedi. Martin, il sait que ce n'est pas le Rwanda. Il sait que ce n'est pas Tshisekedi. Ils savent que ce sont les impérialistes qui utilisent le Rwanda pour nous mater afin que Bazoa, Barichesse Nabiso, a vil prix. Et la jeunesse doit comprendre ça. C'est comme ça que je dis, il faut une conscience collective, une conscience patriotique. Congolais il faut tout élément dont se souder les coudes. Sur la question du pays, surtout l'intégrité territoriale, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de la majorité, il n'y a pas la société civile. Nous devons nous unir comme un seul peuple derrière son leader afin de vaincre cette injustice qui nous est imposée par la communauté internationale. Et ces plans, ça date de la nuit des temps. Même Lumumba l'avait dit en 1960 déjà, prenez garde, ils veulent nous balkaniser. C'est pas venu avec Chilombo, c'est venu des blancs. Et aujourd'hui là, nous devons nous soulever. Moi je dis c'est la jeunesse. Et c'est là que je décourage les gens qui disent la jeunesse c'est l'avenir de demain. Non, la jeunesse c'est aujourd'hui et maintenant. Donc tel que tu es là, tel que je suis là, tel que vous êtes là. Et tous ceux-là qui nous suivent doivent se souder les coudes. Savoir que notre pays est parmi l'enjeu majeur du 21e siècle. Et que la guerre que nous subissons aujourd'hui, ce sont les grandes puissances qui veulent prendre nos richesses à vil prix. C'est ça que la jeunesse doit comprendre. Merci beaucoup. Quand on vient sur le plateau de télé, dire tout ce qu'on dit là parce qu'on vous a envoyé ou parce que comme un perroquet, je suis totalement désolé. Honte et même la nausée de ces gens de jeunesse. Merci beaucoup, Mdeko Bruno Mbimbenga. Mot de la fin, Nayo. Et puis, sans pourtant qu'on ait gauche-droite, pour que Mboka Kongo ait kende liboso.
Ndeko Trésor, tu vois, me traite de féroqué. Ouais. C'est ridicule. Parlons pays. C'est la politesse. Parlons pays. Parlons pays. Une mauvaise éducation. De me traiter de féroqué. Parlez sur le pays. Non, regardez la mauvaise éducation qui vient de sa part. Me traiter pour se débattre de féroqué. Donc, le moi je pense que. Parlons pays. Les graves problèmes aujourd'hui. S'appelle okay. Le Congo a besoin d'une personne. Vous voyez besoin. Mais monsieur, arrêtez tes histoires. Vous voyez, madame. Ne l'invitez plus. N'invitez plus quelqu'un comme ça. Trésor. Non, ça c'est mal pour la population. Écoutez, je disais ici la conscience collective de la jeunesse. C'est pas un problème des individus. Cette histoire nous est imposée par l'impérialisme. S'il vous plaît, monsieur Trésor. Lumumba l'a dit. S'il vous plaît. Mais quand un jeune qui passe à la télé pour dire des choses comme ça. Oh, tu vois, on est où là? Une mauvaise éducation. Rapidement. Je passe que. S'il vous plaît. Monsieur Trésor, s'il vous plaît. Monsieur Trésor, s'il vous plaît. Je suis désolé. Monsieur Bruno. Ok, qu'il parle à Dupé, on écoute. Qu'il conclut, qu'il parle à Dupé. Donc, on crie, monsieur Siri déjà. Conclusion, je pense que les graves problèmes, le Congo n'a pas besoin, il y a Batoukoua, Félix, il y a Batoukoua. Les trésors calent à la soirée des chantres de la République. Mais il parle du pays. Aujourd'hui là, vous voyez, Bounagana, 125 jours, sous un régime incapable. Mais ce que vous avez vu, non, Bisson Nouvelle, Atolobi, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Tout le monde a bango Awa, non? Sous Kabila, Paul Kamia Kotaki Awati. Mais tout le monde est du topes. Mais ça de Marty, Bazoyemba, Kagame, Yonanoboyaka, les traîtres de la République et Zamat. Mais tu as parlé du pays ici? Tu as parlé du pays? Yozo Limopes a mis sur les autres tandis que vous avez trahi la croissance. Vous êtes des traîtres. Je suis obligé. Les vrais problèmes, exactement. Peuple congolais d'ici 2023, totalement pour chasser Félix et tous ces voilà. Parce que le problème, situation de son amour, pour que ça. Merci. Bon à Congo, y allez là. Bon à Congo, allez là, Sini. Mercredi, Totambola, la boulevard du 38 juin. Bon à Congo, maintenant, 3 et 3, Bounada, la 127 jours. Polini, pas libéré. Très bien. Bon à Congo, allez là, Sini. Bruno, merci. Neko Trésor, merci. Balamboka Congo, Congo avant tout. Le Congo toujours devant. Tolinga Congo, Tobate la Congo, Peto Tonga Congo. On se retrouve très prochainement pour toujours vous servir. Bye.